Quand les chaussettes de la duchesse seront sèches et archi-sèches, je pourrai aller au cinéma avec Lisette, qui est si coquette et qui a déjà pour la saison des petits melons qui sentent bon. C'est moi qui dois les cultiver. Faut de la chaleur, faut des baisers. Inutile de les arroser, y'a que la chaleur pour les sauver. Comme elle est aussi un peu fleur et que je suis horticulteur, vous pensez ça ne peut mieux s'arranger? Moi je raffole de sa corolle, ses étamines, je l'avoue, m'ont déjà rendu moitié fou. Mais s'il n'y avait que les étamines, elle a aussi la tige fine et pas gueule de loup pour dessous. Elle est fleur bleue au rendez-vous. Mais les amis comme des vautours sont venus tourner autour de ma fleur, de celle que j'aime tant. Même ma Lisette, qui est pas si bête, au lieu de se laisser butiner, leur a fermé la porte au nez. Moi qui suis tout le temps régulier, je leur ai cassé leur atelier. Il est maintenant bien évident qu'ils n'auront plus besoin de cure-dents. Comme les chaussettes de la duchesse étaient source de richesse, tout au fond, il y avait des louis d'or. Ma Lisette sage, pour notre mariage, m'a conseillé de l'accaparer, car c'était de l'or pas déclaré. Moi, pour avoir la conscience nette, j'ai pris que l'or, pas les chaussettes. Lisette m'en a toujours voulu, et c'est depuis qu'elle ne m'aime plus. Et c'est depuis qu'elle ne m'aime plus.